allons ensemble dire merci à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur pour l'arrivée de nos semeurs. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons de ton hommage. Merci infiniment pour ta grâce. Merci pour nos semeurs. Merci pour ta faveur, ô Dieu, qu'elle t'ait sur eux, Père. Amen. Amen. Merci, Seigneur, pour les richesses, Seigneur, qu'elles ont reçues, Seigneur, et t'ont accumulées. Merci pour tout ce que tu as bâti, pour ce que tu as détruit dans la vie. Et merci, Seigneur éternel, toi qui as organisé le voyage retour. Nos cœurs sont dans la joie, Seigneur. Et merci d'avoir permis que nous puissions retrouver nos frères, nos sœurs bien-aimés. Reçois la louange et l'adoration, Seigneur. Merci pour la présence de chaque personne étant à l'aéroport et même ici. Seigneur, nous te disons grandement merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous allons, avant de demander les nouvelles, comme c'est notre coutume, donner de l'eau à nos hôtes afin qu'ils puissent l'atterrir. Et après cela, nous allons demander les nouvelles. Gloire à Dieu. Amen. Comme nous avons l'habitude de voir nos aînés faire, nous allons faire pareil. Et nous allons permettre à chaque frère de la délégation de dire quelque chose. Et moi, c'est la sœur Estelle Mbaki. En faisant des disciples, c'est le leader Meunier Boniface. Je veux dire vraiment merci au Seigneur qui m'a accordé le privilège de faire partie de cette délégation. Une des choses qui m'ont marqué là-bas, c'est que nous avons parlé de la louange, du ministre de louange. Et nous avons parlé du modèle du peuple d'Israël qui a planté la louange comme un pilier dans la nation. Et pendant qu'on parlait de la louange, le Seigneur faisait comprendre que c'était un ministère qu'il fallait développer seul d'abord et que le débordement se répandait sur le peuple. Sur le ministère public, ça veut dire que quoi? Le ministère rendu à Dieu seul, dans le secret, ayant grandi, mûri, se répandait sur la multitude où produit la croissance. Et pendant que nous étions là-bas, le Seigneur a parlé d'un exemple, d'un vieillard qui rendait ministère. Je crois que c'est là que le prêtre Théodore était parti dans un endroit où il y avait un vieillard qui était le chante de l'événement. C'était moi qui m'a beaucoup marqué. Il avait chanté devant une foule de 25 000 personnes. Et la présence de Dieu était vraiment spéciale. Et pendant qu'il rendait le ministère, il avait un de ses disciples qui jouait au tambour. Et il nous a expliqué que vous savez, nous connaissons tous le programme du frère Zach. C'était long. Et à un moment, le vieillard était fatigué. Il a demandé qu'un de ses disciples, le disciple qui tapait le tambour puisse rendre ministère au peuple. Et le disciple a rendu ministère, c'était la même chose pratiquement comme le vieillard. Comme la Bible nous dit, tout disciple accompli cela comme son maître. Mais le frère Zach, le frère Todor, voulait connaître le secret de ce jeune homme. Il était parti en mission quelque part. Il avait fait environ 4 ans prêchant l'évangile au perdu sans gagner une seule âme. Il s'est retiré pour demander au Seigneur s'il devait continuer la mission. Parce qu'il était découragé. Le Seigneur lui a dit non, ne rends pas. Mais va, apprends à rendre ministère. Rends-moi un ministère spécial, personnel, de 8 heures par jour, pendant 100 jours. Et ce homme est parti devant la présence du Seigneur. Chaque jour, il louait le Seigneur pendant 8 heures, jusqu'à pendant 100 jours. Et il a fini ses 100 jours. En un mois, il a gagné 400 âmes. Alléluia. Pour dire que la louange est un facteur de croissance. Si nous pouvons poursuivre notre appel et que nous rendons ministère seul au Seigneur pendant notre intimité, dans nos rencontres avec le Seigneur, le débordement, quand nous serons devant le peuple, ça va faire qu'il y aura la croissance. C'est ce que je voulais partager. Amen. Amen. J'ai été particulièrement touchée par la vérité, l'une des vérités du dernier jour qui disait que nous devions
nous devons composer des chants de réveil. Gloire à Dieu. Des chants dont le contenu sera puissant à telle enseigne que quand des moments de persécution, de rétrogradation viendront, ces chants pourront nous donner la force de pouvoir revenir au Seigneur ou bien la force de résister. Alléluia. Et cette vérité provenait de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui vraiment, dont Dieu connaissait l'histoire, non seulement le passé, le présent, le futur. Il savait qu'il allait avoir des moments vraiment difficiles. Et il avait permis que ce peuple-là puisse revenir à lui à travers des chants. Alléluia. Et nous avons parlé des grandes personnalités de la Bible qui composaient des chants. Il y avait les juges, il y avait des sacrificateurs, il y avait des prophètes et plusieurs autres personnes. Et donc, pour conclure, ça a été dit que les personnes qui composent les chants doivent être des personnes d'un calibre spirituel lourd. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu est un Dieu de festivité. C'est quelque chose que on n'entend pas souvent. Que nous avons un Dieu festoyeur qui aime la fête. Et en Israël, il avait implanté beaucoup de fêtes. Et on a étudié ces fêtes. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est l'amour de Dieu pour son peuple. Il connaît l'homme. Il connaît la fragilité de l'homme. Il sait que quand l'homme est béni, il risque de repartir dans le péché. Il y a une fête qui m'a marqué, la fête des tabernacles, qui s'appelle aussi la fête des huttes. Le peuple d'Israël devait quitter leur demeure, l'embrisser, où ils étaient à l'aise, où ils mangeaient bien. Et pendant une semaine, ils devaient construire des petites huttes dans lesquelles ils devaient vivre pendant une semaine pour se rappeler qu'ils avaient été esclaves, qu'ils n'étaient rien. Et que quelles que soient que les bénédictions que Dieu leur avait données, ils ne sont rien. Et ça m'a beaucoup marqué. J'ai réfléchi comment je pourrais appliquer ça dans mon foyer pour me rappeler que nous ne sommes rien, que ce Dieu qui donne et c'est Dieu qui ôte. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Et vraiment, je suis très heureuse d'avoir fait partie de la délégation. Et pendant nos séjours là-bas, il y a eu plusieurs vérités. Mais il y a une vérité qui m'a touchée le dernier jour. Et le Seigneur parlait, répondait à une question qui avait été posée, en tout cas par un étudiant. Et donc, le Seigneur nous a donné cette réponse-là. Il a dit comme ça que un cœur immoral, même si ce cœur chante des mots saints, va verser l'immoralité sur son auditoire. Après, ça m'a secoué à l'intérieur. Et il a même donné encore un autre exemple. Il a dit comme ça que, vous voyez, nos cœurs sont comme des robinets. Si le robinet est rué, l'eau qui va sortir de ce robinet-là va empoisonner. En tout cas, la personne qui va consommer, c'est tout. Vraiment, j'ai été touchée à l'intérieur. Et je me suis dit, oh, vraiment que le Seigneur me garde. En tout cas, de rester dans un péché de façon consciente. En tout cas, j'ai pris l'engagement devant le Seigneur. Que lorsque je dois louer le Seigneur, lorsque je dois chanter, je dois tout faire pour me sanctifier. Donc j'ai compris là que le ministre de la louange est une personne sanctifiée. Une personne qui doit se sanctifier afin que tout ce qu'il va donner comme chant puisse produire la vie au lieu de produire la mort. Amen. Dieu m'a accordé la grâce d'être à Koumé pour cette PMPJ de louange. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur pour cela. De cette rencontre avec le Seigneur, je retiens que la louange, c'est la nourriture de Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu es un disciple du Seigneur, tu dois offrir cela au Seigneur. La louange, ce n'est pas que chanter. Tu peux écrire un poème au Seigneur.
tu peux poser un acte qui va montrer au Seigneur que tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait. Il y a des ministres de louange qui sont pour le public, comme nous autres que vous voyez. Et il y a ceux qui sont pour un, voilà, pour le privé. Alléluia. Donc tu dois être un ministre de la louange. Nous devons tous être des ministres de la louange. Dieu nous disait que aussi, les assemblées qui sont maudites, et c'est ce mot-là même qui m'a marqué, sont maudites parce qu'elles ne louent pas Dieu en tant qu'assemblée. Et quand j'écoutais ça, je disais au Seigneur, je reviens, nous allons offrir au Seigneur la louange qu'il aime. Alléluia. Et bien de vérité. J'ai été marqué au-delà de l'enseignement de la vie simple des gens à Koumé. Alléluia. Ils sont simples. Ils t'offrent des choses simplement. Ils ne font pas de chichi. Quelque chose, ils veulent t'offrir. C'est simple. Amen. On a mangé. Oui. Nous avons mangé. Mangé. On mange le matin, on mange à midi, on mange le soir. Si tu as mangé à 16h, tu dois manger à 10h. On a mangé. Maintenant, où est pour nous? On a mangé simplement. Parce que le pasteur nous a dit que manger même, c'est adorer Dieu. Alléluia. Oui. Tu vis le plat, rendant grâce à Dieu. Parce qu'il nous a dit qu'il a un bébé à la maison. Il a même dit, c'est quand il mange. Non, il dit non, celui-là, il mange, il dit ça. Donc quand on te donne un plat, tu dois le savourer en adorant Dieu. Les gens qui se regardent les plats et puis non, tu dois adorer Dieu pendant que tu manges. Alléluia. Donc nous avons adoré Dieu en mangeant. Mes sacrifices sont une vraie forme d'adoration pour le Seigneur. Et nous avons, il faut que je sais quelque part que c'est l'adoration. Il faut que mes dons soient en train de dire que j'adore effectivement Dieu. Comme la femme qui a cassé le vase d'albâtre au pied du Seigneur, Marie-Madeleine, comme un acte d'adoration. Et elle a complété avec ses larmes des choses qui sont très précieuses pour compléter l'adoration au Seigneur. Et Dieu nous a fait la grâce pendant que nous étions là-bas. Ça, c'est un... Il y a tellement de choses à dire, je ne peux pas tout dire. C'est un des éléments que j'ai pris et sur lesquels mon cœur est resté accroché. Et dans la pratique, nous avons été provoqués par le témoignage des sœurs, l'équipe dirigée par la sœur Esther Conan. Ils ont eu, par la grâce de Dieu, depuis le départ du Frésa, 100 croisades de prière, 100 sièges de prière. Et pendant qu'on était là-bas, ils ont achevé le 100e siège de prière, avec de 80, et le premier siège de 80 heures. Et comme acte d'adoration au Seigneur, pour exprimer leur extrême gratitude au Seigneur, les frères ont acclamé, tenez-vous bien, pendant une heure de temps. Papa, tu acclames 5 minutes, tu dis que mais le frère qui coordonne là, il n'entend pas, il ne voit pas qu'on a l'air fatigué. Frère, ils ont acclamé pendant une heure de temps pour dire au Seigneur, tu mérites la louange, la gloire pour ces 100 sièges de prière que tu as rendu possible. Et à la fin, comme ça ne suffisait pas, ils ont supplié le Seigneur d'accepter 300 000 francs pour accompagner les acclamations qu'ils ont fait au Seigneur. Alléluia. Et le frère Théodore a récupéré les 100 000 francs. Et il a demandé les 300 000. Et il a demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit en faire? Le Seigneur lui a dit, on veut implanter la loi dans notre ministère. Il faut aller arroser l'UMPJ. Les étudiants qui sont là-bas. Et nous avons eu droit chacun à un CD offert comme étant le sacrifice de cette sœur-là, de ces 300 000 francs. Donc chaque participant à l'UMPJ a reçu un CD de l'équipe de louange de Doxibi. Alléluia. Acclamer le Seigneur. Et quand nous avons entendu toutes ces choses, nous nous sommes dit, le Seigneur est en train de nous enseigner les choses, des choses très pratiques. Et il nous faut faire pareil. On n'a pas pu rester indifférent à ce sacrifice, à cet acte d'adoration, Seigneur. Et nous avons offert au Seigneur, en tant qu'équipe, nous avons décidé d'offrir au Seigneur et nous avons fait au Seigneur 81 000 francs en acte d'adoration. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a été très bon pour nous.
comme la sœur Nina l'a déjà dit, elle a déjà partagé les objectifs de l'année prochaine. Nous étions 288 participants venant de 14 nations, le Cameroun y compris, la Belgique, la France, l'Angleterre, le Tchad, Centrafrique, le Gabon, en tout cas les frères étaient présents, 14 nations. L'année prochaine, on attend 1000 participants. Tous ceux qui estiment qu'ils louent le Seigneur doivent se retrouver là-bas. C'est un passage obligatoire pour aller confirmer ton ministère. Et pour revenir aux actions de grâce, ce que je ne voudrais pas qu'on laisse passer, par rapport à la sœur Suzanne. La sœur Suzanne est un ministre de la louange. Elle n'a pas une belle voix. Les frères ont parlé d'elle en disant qu'elle avait été citée en témoignage comme étant celle qui a défié toute l'équipe de l'UMPJ en termes d'action de grâce, de reconnaissance au Seigneur de façon écrite. Et la sœur Émilie a pris son cahier. Elle était au 45e 1000 sujets fait le jour même. Et la sœur Émilie rendait témoignage, vous êtes une sœur qui est toujours joyeuse. C'est une sœur qui ne sait pas chanter. Tu donnes le micro, elle commence avec une gamme. Dans le même chant, elle va changer 7 fois la gamme. Donc tu donnes le micro, tu vas lui dire, tu vas très vite la chasser. Mais son adoration au Seigneur dépasse plusieurs qui tiennent le micro. Et le Seigneur a parlé d'elle en disant que il y a beaucoup qui doivent se qualifier dans le ministère privé. Ce n'est pas une question de voix, ce n'est pas une question de micro, ce n'est pas une question de chant. C'est d'abord ce que je fais devant le Seigneur, le ministère privé que je rends à Dieu. Et elle a dit aussi que cette sœur, parmi elles toutes, c'est une sœur qui reçoit le plus de cadeaux. Et effectivement, elle venait de me rendre un témoignage. Elle a reçu une voiture, elle a reçu de l'argent pour construire une maison. Cette même sœur-là, elle m'avait rendu le témoignage le premier jour. Parce qu'on avait eu une session de témoignage où tu devais rendre témoignage à ton voisin, tu devais rendre un témoignage pour t'encourager. Elle a reçu une voiture avec ce qu'il faut pour aller dédouaner tout ça gratuitement. Elle a reçu de l'argent pour poser la fondation d'une maison. Elle a reçu le terrain. Elle a remonté une maison de, j'ai oublié le nombre de pièces. Mais tout ça, c'était gratuitement. Mais quand le témoignage est venu par la suite, ça m'a confronté sur le fait que ceux qui sacrifient au Seigneur l'adoration, la louange, la reconnaissance, ils ne sont pas perdants. Alléluia. Dieu reçoit, et quand Dieu reçoit, Dieu répond à l'adoration et à la louange. C'est ce que je voulais compléter par rapport au témoignage de la sœur Suzanne, pour nous encourager, nous provoquer à marquer des points dans l'adoration individuelle au Seigneur et personnelle. Gloire à Dieu. Amen. Dans le comité de voyage, Koumi, Enni, tous ceux qui doivent partir, si tu veux partir l'année prochaine, c'est maintenant que ça commence. Et chaque mois, tu t'inscris. Chaque mois, on t'appellera spécialement pour savoir à quel niveau tu te trouves. Parce qu'on a été très, très bousculés cette année. Et nous ne voulons pas être très éprouvés l'année prochaine. Il nous faut partir d'ici au moins 150. 100, c'est petit, 150. Nos enfants qui tiennent les micros, ils doivent aller là-bas entendre de quoi il s'agit. Pour que ce qui est implanté dans nos cœurs, ça commence à les influencer dès maintenant. Donc nous sommes en train de préparer pour offrir au Seigneur 150 personnes qui partiront. Et prochainement, nous allons venir avec la CMFI Airlines. Amen. Ce sont des grands avions. Il faut que cette compagnie aérienne voit le jour pour pouvoir nous déplacer aisément. Alléluia. Donc voilà, avec ce avec quoi nous sommes revenus cette année. Et nous avons été bénis, le frère Théodore était dans sa reconnaissance au Seigneur pour nous. Il a donné à chacun 10 000 francs pour le transport. Alléluia! À chaque fois, la Côte d'Ivoire, je ne parle pas des autres, je ne sais pas ce qu'il a donné aux autres. Donc, je sais qu'il a donné, une enveloppe pour les semeurs de Côte d'Ivoire en tant que chef de délégation. Chacun avait droit à 10 000 francs pour le transport. Nous rendons grâce au Seigneur pour cet événement, pour avoir été avec nous, pour nous avoir conduits. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup pour l'accueil, merci beaucoup pour la marque d'affection, merci beaucoup pour le temps donné pour être présent. Merci beaucoup. Amen.